Radio, c'est vrai, casquette de salopard. Mon grand-père me raconta un jour qu'alors qu'il circulait boulevard Saint-Germain à 5h du matin pour se rendre à son travail, des bourgeois avinés, sortant d'une soirée ou d'une boîte de nuit, lui avaient crié « Salaud de pauvre !» Quand mon grand-père parlait de lutte des classes, cela avait un sens très concret pour lui. Il était communiste, comme les bourgeois sont de droite. Cela lui paraissait naturel, comme un élément de l'appartenance de classe reçu à la naissance avec le patrimoine génétique. Comme mon père, il commençait souvent ses phrases par « nous », les ouvriers. L'un des nôtres. Les nôtres. Les nôtres vont au travail. D'autres travaillent beaucoup moins, mais mangent beaucoup plus. À l'heure où pour les uns le labeur de jour commence, d'autres viennent se reposer enfin des fatigues de la nuit. C'est que l'hôtel particulier leur appartient, l'usine aussi leur appartient. Les mains noires de nos trieuses paient les manucures des toutous de ces dames. Pourquoi ne souris-tu pas, mon gars? Vois comme on s'amuse. Rose, champagne, le repas, 11 000 francs par tête. 11 000 francs, c'est ce que gagne par quinzaine Henri Renard Manœuvre. Lucienne Alric Bobineuse, 8 500 francs par quinzaine. Au plus profond de ta détresse, tu n'es pas seul. Le ciel est sombre, l'avenir t'apparaît noir, la vie te semble sans espoir. Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul. Paysan, ouvrier, chômeur, jeunes gens et jeunes filles, fils du peuple, amis, camarades, le Parti communiste vous appelle.